Du côté de chez Swann, esquisse 17. Monsieur le curé, qu'est-ce que Lally me disait qu'il y a un homme dans votre église qui fait des peintures, dans une église? Je peux dire que je suis arrivé à mon âge sans avoir jamais entendu parler d'une chose pareille. Et il paraît que ce sera comme ça jusqu'à la Saint-Jean. Madame Charles, répondait le curé, je n'étais pas libre de refuser. Il y a un ordre écrit de la main de Monseigneur et de l'architecte du diocèse. Mais monsieur le curé, qu'est-ce que le monde d'aujourd'hui va chercher? Et encore, quelle partie de Saint-Hilaire croyez-vous que cet artiste va reproduire avec ses pinceaux sur sa toile? Le grand vitrail si sale que j'ai derrière mon autel, ce qu'il y a de plus vilain dans l'église. Mon Dieu, madame Charles, je n'irai pas jusqu'à dire ce qu'il y a plus de vilain, car rien n'y est bien beau dans ma pauvre église, la plus vieille de tout le diocèse, la seule peut-être qu'on ait jamais rebâtie ou restaurée. Et je crois que nous avons droit à mieux qu'une restauration depuis le XIe siècle qu'elle est en cet état. Mais enfin, comme je lui disais à cet artiste, qu'est-ce que vous lui trouvez donc d'extraordinaire à ce vitrail? Qu'il est un peu plus sombre que les autres? Moi, je vous avoue que je ne l'aime guère. Avec ses tons rouges, comme ceux de ces excellents poulets dont Françoise sait mettre à profit les derniers instants. N'est-ce pas, Françoise? Il donne un faux jour qui me fatigue la vue, et quand je descends dans la nef, au moment de l'élévation, je ne sais où poser le pied, avec toutes ces taches rouges dansant sur les marches devant mes pauvres yeux, comme si les jours de la Grande Révolution étaient revenus, et si on ensanglantait nos saints autels. Quand je pense qu'à mes églises, qui est une paroisse de pauvres fermiers, ils ont un superbe vitrail de Sainte-Claire par M. Goupy, le neveu de notre excellent notaire, qui travaille pour plusieurs châtelains de la région. L'auteur de cette imposante entrée de Louis-Philippe à Combray, qui a été brisée il y a 15 ans, quand on a cambriolé Saint-Hilaire. Ah, il savait ce qu'ils faisaient, les malandrins, quand ils se sont introduits par ce vitrail. Ce n'est pas celui de derrière l'autel qu'ils auraient brisé pour qu'on m'en donne un neuf. Je crois que du coup, je leur en aurais pardonné le vol des vases sacrés. Comme je l'ai dit à cet artiste parisien, peignez-le, monsieur, si vous êtes amateur des verrières de cette localité. Mais si vous le cassez, croyez bien que je ne viendrai pas vous en redemander les morceaux. Je crois que si vous demandiez un vitrail neuf à Monseigneur, il ne pourrait pas vous le refuser, interrompit ma tante, qui commençait à se fatiguer et commençait à regretter d'avoir mis le vitrail sur le tapis. Ah, comptez-y, madame Charles, répondit le curé. Quand c'est Monseigneur lui-même qui a le premier attitré l'attention sur ce maudit vitrail, en montrant dans une brochure qu'il représentait Saint-Hilaire, donnant l'absolution à Gilbert le Mauvais, sire de Guermantes, quand celui-ci eut fait reconstruire l'église sur les ruines de celle qu'il avait fait brûler et dont nous n'avons plus que la crypte renfermant le cœur de Saint-Hilaire. Vous savez que Childebert, quand il partit pour combattre les Burgondes, s'arrêtant à Combray, où il avait d'ailleurs du côté de Pinconville une grande où il séjournait, souvent avec sa cour fit vœu de construire une église à Saint-Hilaire, s'il remportait la victoire. Il défit les Burgondes et construisit la primitive église, dont il ne reste que la crypte, et que brûla Gilbert le Mauvais, croyant que son neveu Louis le Simple, 19e abbé de Guermantes, s'y était réfugié. Au moins ce Gilbert le Mauvais avait-il le mérite de remplacer les vieilles églises par des neuves qui étaient belles pour son temps, puisqu'elles lui valurent le pardon de Saint-Hilaire. Mais c'était au XIe siècle, madame Charles, et depuis ce temps-là, mon église n'a pas été refaite. Je ne crois pas que de Châteaudun aux Anlis et de Mantes à Lisieux, il y ait un porche plus misérable, plus taché de moisissures que le mien. Est-ce assez vieux, assez cassé, cette pauvre vierge qui n'a plus de bras? Toutes ces niches où il ne reste que les jambes des comtes de Guermantes et des princes de Brabant. Car vous savez que la fameuse Geneviève de Brabant était fille d'une comtesse de Guermantes, d'où l'aînée de la famille,
porte toujours maintenant le nom de Guy Nevers, qui, paraît-il, est Geneviève, qui ont été brisées par les Huguenots. Si encore on marchait de plein pied dans l'église. Mais il n'y a pas deux dalles qui soient de même hauteur, et on ne peut pas y toucher, parce que ce sont de plates tombes des abbés de Guermantes. Ah, le voisinage de Guermantes n'a pas porté bonheur à Combray, Madame Charles. Mais elle serait bien mieux à Guermantes qu'ici ces plates tombes. Ils en ont déjà une jolie collection, à ce qu'il paraît, dans l'ancien cloître. Et on devrait bien, par la même occasion, leur envoyer Gilbert le Mauvais et grand sire de Guermantes, qui est au-dessus de la chapelle de la Vierge et qui, si grand, tout en haut, avec sa figure de l'ancien temps et son doigt levé, a l'air du roi des cartes à jouer dans le Bésigue de Madame Piperon. Qu'il fasse seulement un peu de soleil derrière, je vous assure que c'est frappant. Ah, ils lui ont fait une bien triste figure, au pauvre sire. Je veux bien qu'on respecte les choses de l'ancien temps, mais il y a des bornes. Pensez que Piperon ne peut pas agrandir son café parce que la maison à côté a pour soubassement un pan de mur élevé par ordre de Charles le Chauve contre les permanentes incursions de Rollon. « Comment ?» disait faiblement ma tante, mais Piperon m'avait dit que c'était décidé. « Ça l'était, Madame Charles, et si vous alliez encore sur la place, vous verriez en magnifiques lettres d'or le mot « billard ». Mais il ne pourra pas le faire, son billard, car un arrêté préfectoral vient de classer la maison. »